Alors bonjour, je me présente, moi je suis Thibaut Gaudin, donc j'ai parcouru 25 ans dans le groupe Bocuse. Donc j'ai démarré à l'auberge en 93, ensuite j'ai fait 97 l'Est et ensuite j'ai fait l'ouverture de l'Empire Paul Bocuse l'Ouest et j'ai quitté donc en 2021 pour effectivement ouvrir un établissement qui est aujourd'hui la Brasserie des Monts d'Or. À Saint-Cyr au Mont-d'Or, qui est une adresse prestigieuse et avec un côté brasserie authentique et une cuisine de brasserie avec des plats tradition qui se composent de foie de veau à la lyonnaise, de quenelle de brochet sauce Nantua, de la côte de cochon fermière, de l'Aveyron avec une pomme purée. Également, on fait des desserts tradition comme les gaufres bruxelloises, le baba au rhum et le pain perdu à la bière. Alors, mon chef est Laurent Lecomte, qui est un ancien disciple, on va dire, de Philippe Gauvreau et qui a aujourd'hui toutes ses qualités de parcours avec Philippe Gauvreau et qui aujourd'hui me permet de faire une cuisine de tradition. Une cuisine de vraie brasserie et avec des goûts et des parfums maîtrisés, des sauces maîtrisées et des garnitures avec du goût. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous l'avons sélectionné et on fait un parcours ensemble emblématique. Alors, les desserts proposés aujourd'hui sur notre carte sont des desserts traditionnels, comme la gaufre bruxelloise avec son chocolat chaud, sa chantilly maison, comme le savarin au baba au rhum, comme également le pain perdu à la bière glace vanille, également la tarte fine aux pommes avec sa glace caramel. Et nous faisons des desserts du jour, style crème brûlée, crème caramel, riz au lait, des desserts de tradition. Voilà.